Welcome, reçois El Señor Beat. Dans cette vidéo, je vais te faire un beat afro. Donc, c'est une guitare que je viens de créer là, qui est afro. Ça va un peu vers de l'afro trap, mais j'ai mélangé avec des parties un peu trap musique. C'est parti. Initialement, le BPM il est à 126. Voilà. Et en général, les beats afro, le BPM il va entre 120 jusqu'à 130. Ok, maintenant c'est une guitare en fait de Ample Guitar. J'ai les samples de cette guitare-ci qui sont disponibles dans un pack dans la description. Tu peux les avoir gratuitement. Donc, il y a des configurations qui ont été faites dans le mixeur à travers des reverb, des paramétriques, des delay banks et plein d'autres choses directement sur le Ample Guitar. Voilà, tu vois que la sonorité, ça sonne comme du live actuellement, tu vois. Donc du coup, on va jouer une guitare comme ça. Voilà, donc quand tu joues cette guitare-ci, maintenant tu dois jouer des trucs comme des accords en fait. Tu vois? Des accords en basse. Donc c'est les accords qu'on joue pour accompagner. Maintenant on met une autre pattern d'accords. Donc maintenant tu ajoutes des snares. Plus des snares, tu ajoutes des tam-tams, tout. Maintenant, tu vas ajouter cet instrument-ci. En fait, c'est un cri, tu vois. Maintenant, tu ajoutes la guitare basse. Ok. Une guitare basse prise dans Purity. Précisément, cette guitare basse-ci. Bass Guitar 8. C'est une très bonne guitare basse que j'utilise constamment. Donc après ça, tu mets le pied maintenant. Donc à la guitare basse, tu ajoutes une sub bass en fait. Thank you.
où il y a une guitare que j'ai joué là. Pris dans Nexus, voilà, précisément ici. Baza guitare Dream. Tu prends et puis tu coupes naturellement les zones de fréquence très basse et légèrement les zones de fréquence aiguë. Tu ajoutes de la reverb, des banques, voilà. Donc ensuite, tu ajoutes les drums et puis ça fait la partie des kicks. Il y a une partie qui est très intéressante aussi, cette partie-ci où j'ai mis une guitare mute. Une guitare mute pris dans Nexus, voilà. Tu prends cette guitare-ci, plugin de guitare, et maintenant tu disposes ça comme ça. Maintenant, pour tuer en fait en trap, là tu mets de la 808 pour pouvoir donner une certaine allure à cette partie-ci. Donc, grossièrement, c'est ça. Maintenant, tu laisses couler en. Avec les batteries 4K, 4K. S'il y a changement de cadence, tu es obligé de mettre légèrement des tam-tams qui vont un peu varier aussi en fait. On arrive à la fin de la vidéo, c'était El Señor Beat. Je t'invite à cliquer dans le lien dans la description. Dans mes différents contacts, abonne-toi à ma page, partage au maximum mes différentes vidéos. Partage au maximum et n'oublie pas, dans la description, je t'offre des cours en ligne qui vont te permettre de pouvoir créer des beats comme ceci, que tu sois débutant ou amateur. Ciao!